Yop tout le monde, c'est Loki, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online, donc pour une nouvelle vidéo de Wallbridge. Donc aujourd'hui on va le Wallbridge, un garage à plus de 100 places, voilà. Donc je vous laisse regarder sur la carte où c'est, voilà, donc ça se situe vraiment à l'ouest de la map. Donc c'est ici. Donc une fois que vous êtes au même endroit que moi, donc vous allez pouvoir apercevoir l'entrée du garage. Donc c'est ici, mais bon, en bas donc c'est fermé, donc on peut pas rentrer par ici. Voilà, donc il est complètement modélisé, hein. Donc je ne sais pas pourquoi Rockstar ne l'a pas ouvert. Peut-être qu'ils vont l'ouvrir dans un prochain DLC, reste à savoir. Voilà, donc une fois que vous êtes devant l'entrée du garage, vous venez au même endroit que moi, donc juste derrière. Vous positionnez votre véhicule ici. Une fois que vous l'avez positionné ici, vous devez sauter les barrières donc jaunes qui sont ici. Voilà, donc une fois que vous êtes entre les deux barrières, vous allez devoir faire un saut ici, donc pour pouvoir rentrer dans le mur, enfin pouvoir wallbreach le mur. Donc vous allez atterrir sur une plateforme complètement modélisée. Vous allez pouvoir voir que tout est transparent. Une fois que vous êtes ici, donc vous allez faire un saut dans le vide, donc ici, comme moi dans la vidéo. Et là vous allez pouvoir apercevoir que vous êtes en dessous de la map, donc complètement dans le garage. Donc pour modéliser toute cette partie, il faudra tout simplement se mettre à la première personne. Voilà, donc je trouve la première personne. Voilà, donc là je suis à la première personne et vous allez pouvoir voir que on peut apercevoir tout ce qu'il y a donc dans le garage. Donc c'est aussi un endroit où vous pouvez semer facilement la police parce qu'ils rentreront jamais dans ce garage. Et donc voilà, moi je vous laisse sur ces images, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.